Je n'ai aucun droit. Après avoir le même boulot, le même salaire, mais pas les mêmes étoiles. On peut habiter le même quartier. Un jour, la même personne, ça se voit, ça se soleil, plus chaud. Appelez-moi les lures. Les lures. C'est Dieu qui a choisi. Je disais, un entrepreneur n'écoute pas n'importe quel genre de musique. D'accord? Voilà. C'était pour détendre encore un peu l'atmosphère. Et naturellement, je me répète, un entrepreneur n'écoute pas n'importe quel genre de musique. Écoutez des musiques qui vous motivent. Écoutez des musiques qui vous donnent envie d'aller de l'avant. Écoutez des musiques qui vous donnent l'envie de vous réveiller chaque jour à 4 heures du matin. OK? Nous avons une Afrique à construire quand même. Nous évoluons dans notre formation. Bonsoir à vous. Installez-vous confortablement. Alors, à la suite de cette formation, nous allons travailler ensemble. Je vais vous montrer comment ça se passe pour créer un véritable business manager sur Facebook. D'accord? C'est très facile. C'est très aisé. Nous avons déjà un compte personnel. Nous avons une page personnelle, officielle naturellement, une page entreprise de M. Camden. Camden Bâtiment, si vous vous rappelez bien. Et là, nous allons créer tout simplement son Facebook Business Manager. Allons-y alors. Je partage mon écran. Je partage mon écran et je vais dans les navigateurs. OK. Je me retrouve ici. Voilà. Pour créer ce compte qui désormais sera le compte qui va permettre à vous, chef d'entreprise, d'aller de partout dans le monde entier. Je dis bien de partout dans le monde entier, chercher vos clients, chercher vos prospects, chercher vos partenaires. C'est ce compte que nous allons créer, notre suite Business Manager. Alors, pour ce faire, nous allons entrer le lien ci-dessus. Allons tout simplement à l'espace URL. HTTP, bon, laissons le HTTP, hein. Le système va, le serveur va prendre ça automatiquement. Allons rapidement avec le business. Est-ce qu'il me propose déjà? Non. Business.facebook. Il me propose encore. Oui, il me propose. Je vois quelque part là. Bon, je préfère pas leur faire confiance. Évoluons. .com / overview. OK. Voilà notre overview. Autant pour moi, overview. OK, overview. OK, c'est ça. Voilà. Voilà le lien. On va tout simplement cliquer sur entrée. Et quand on clique sur entrée, il nous dit Facebook for Business. Bon, c'est pas ce que je recherche, hein. C'est pas ce que je recherche. Bon, allons-y, tapons ça ici. Je fais un copier-coller parce que j'ai déjà ça. OK, voilà ce que je recherche, d'accord. C'est dans cet espace que nous allons créer notre business manager. Vous voyez un peu comment ça se c'est constitué. Vous pouvez, lorsque vous vous retrouvez ici, parcourir un peu pour lire. Vous pouvez parcourir pour lire et comprendre comment ça se passe, d'accord? OK. Alors, nous allons évoluer tout simplement. Nous venons ici, créer un compte. On clique dessus. Quand on clique sur créer un compte, on remonte un peu avec ça. Créer un compte. Créer un compte business manager. Nom du compte. Le nom du compte porte le nom de l'entreprise que vous avez créé sur votre page. De préférence. D'accord, de préférence, ce n'est pas une obligation, hein. Mais de préférence, vous pouvez avoir notre nom, il n'y a pas de souci. Mais de préférence, portez le nom qui est directement retrouvé sur votre page. C'est très important aussi pour ne pas être dispersé avec une panoplie d'appellations qui ne sert à rien. D'accord,
Alors, on a baptisé cette entreprise comme étant Camden. Il faut respecter, ici on respecte les caractères, d'accord? Camden bâtiment, on l'a baptisé comme ça. Ok, on l'avait baptisé Camden bâtiment. Voilà. Quand on met Camden bâtiment, le nom de la personne, c'est naturellement Robert Camden Yopa, ce que nous avons créé. Son adresse mail, c'était quoi tout à l'heure? C'était Robert. C'était Robert. Robert Yopa. OK, Robert Yopa. OK, c'était Robert Yopa, @ yao.com. OK. Voilà son adresse mail enregistrée normalement. Le nom de son entreprise. On va cliquer tout simplement sur envoyer. On attend tout simplement qu'il intègre notre compte. Création de Camden bâtiment réussi. Confirmation de votre adresse mail. Nous allons dans notre adresse mail de tout à l'heure de Camden Yopa. On va voir s'il nous a envoyé un message. OK, il nous a envoyé un message. C'est ça ici, c'est ça là. OK, c'est ça. OK. Bonjour, Monsieur Robert. Votre adresse principale et tout, voilà. Tenez pas compte de cette mail. OK. C'était juste un message. Hein. C'était juste un message de confirmation, d'accord? Alors, donc désormais, notre compte est créé. On va cliquer sur terminer. On clique sur terminer. On accède ici. On accède à cet endroit. Et quand on accède à cet endroit, nous sommes déjà dans notre business manager. Alors, depuis notre business manager, on peut parcourir, hein, mais nous allons plutôt intégrer l'espace professionnel parce que cet espace, pour moi, elle n'est pas pro. Nous allons intégrer l'espace professionnel à partir de notre gestionnaire de publicité. On va cliquer là-dessus, gestionnaire de publicité. Ça tourne. Bienvenue, changement de votre code, changement de votre business manager, lancement du gestionnaire. Nous sommes dans notre gestionnaire business manager. OK? Voilà le compte business manager de Monsieur Yopa Robert qui a été créé avec succès. Ils vont nous envoyer un ensemble d'informations. Hein. Assurez-vous l'intégrité des publicités parce que, écoutez très bien, pour faire la publicité sur Facebook, il y a un ensemble de règles qu'il faut scrupuleusement respecter. Je vous dis, si vous ne respectez pas, vous serez banni ou bloqué de Business Manager. Ici, les publicités ne s'effectuent pas comme dans vos pages simples là. Ici, les publicités ne se produisent pas comme vous avez des pages et vous faites une publication. Non, ce n'est pas comme ça fonctionne ici. OK? Ici, les publicités sont purement professionnelles. Vous respectez les règles. Ici, la publicité est interdite. Les publicités qui peuvent nuire aux personnes à partir des nudités, des publicités sensibles, entre autres le sang, les publicités politiques, il faut avertir si publicité est politique. Les publicités religieuses, il faut prévenir. Donc ici, il y a un ensemble de règles qu'il faut respecter. Et c'est ça qui est envoyé là parce qu'il est question de prendre connaissance et de faire connaissance avec ce protocole de règles. Quand tu dis j'accepte, ça veut dire OK, désormais, tu as accepté que tu as lu nos règles de publicité et nos politiques. Alors, bienvenue. Merci beaucoup à Facebook. Quand tu as déjà signé comme ça, malheur à toi de faire une publicité qui n'entre pas dans le cadre que Facebook demande. Tu vas avoir une sanction pure et simple. D'accord? Donc, faites très attention et soyez très prudent. Alors, nous sommes désormais dans notre business manager de M. Camden Robert. Et depuis cet espace de travail, nous allons nous amuser. Je vais désormais, je vais vous présenter premièrement l'environnement parce que le prochain cours consistera tout simplement à vous montrer comment on génère un trafic ciblé pour la première fois.
Mais ce que nous allons faire ici pour le moment, c'est d'abord vous présenter l'environnement. Bienvenue dans le business manager de M. Camden Robert. Alors, allons du côté gauche. Vous avez ici ce tiret à trois, c'est le menu. Vous avez la photo de M. Camden Robert là. Vous avez la vue d'ensemble du compte. C'est ici que les notifications sont. Quand vous recevrez des notifications à l'avenir, c'est là où ça va souvent pointer. Ici, c'est le calendrier des campagnes que vous générez au quotidien. Là, c'est des paramètres, l'ensemble des paramètres de votre entreprise. Ici, c'est les notifications, naturellement. Là, c'est le moteur de recherche, ainsi de suite. Maintenant, le compte est créé, ce n'est pas terminé. Il faut faire ce qu'on appelle une identification. Parce que même si le compte est créé, vous devez identifier votre compte. On appelle ça l'authentification à deux facteurs. Nous allons aller faire notre authentification à deux facteurs pour être sûr que désormais nous sommes propriétaires de cet espace de travail à 100%. Alors, pour cela, nous allons cliquer sur paramètres d'entreprise. Cliquer sur paramètres d'entreprise. Nous allons cliquer sur paramètres d'entreprise et je cherche un ensemble de paramètres d'entreprise parce qu'il y a information d'entreprise. C'est là où nous allons aller faire ça. Bon, de toutes les façons, le système même nous imposera ça avant quoi que ce soit, d'accord? OK. Acheter des personnes, non. Désactiver le compte publicitaire, non. Alter paiement, non. Nous ne sommes pas encore à ce niveau. Nous ne sommes pas encore à ce niveau. OK. Ici, je vous montre d'abord ce que c'est. Là, nous avons notre gestionnaire de publicité. C'est ici que les publicités, quand je clique là, c'est à ce niveau que les publicités vont souvent apparaître. Donc, toutes les publicités que vous allez souvent programmer, c'est ici que vous allez, ça sera rangé, cet ensemble de publicités-là. D'accord? OK. On va encore aller chercher un autre menu. Publication de page. Quand vous avez déjà effectué une publicité, naturellement, la publicité que vous avez entreprise ici ne se retrouve pas sur votre page professionnelle si vous n'avez pas donné l'autorisation de cette action, d'accord? Donc, quand une publicité a été programmée ici, c'est à vous d'envoyer votre publicité dans la page, d'accord? Et si votre publicité arrive dans la page, sachez qu'elle n'est plus modifiable. Donc, rassurez-vous que tout ce que vous faites ici est fait de manière professionnelle et quand vous allez envoyer dans la page, il n'y aura plus moyen de modifier. Donc, si vous constatez votre publicité dans la page avec une erreur, sachez que vous allez seulement supprimer cette publicité-là et reprendre complètement. Alors, paramètres de compte, c'est ici qu'on aura l'ensemble des informations sur le compte de notre entreprise, d'accord? Alors, ça tourne, on va voir à quoi ça ressemble. C'est votre paramètre de compte. Ça renseigne sur l'ensemble des informations du compte. C'est un nouveau compte, bien sûr, donc on ne peut pas encore avoir d'informations ici. On a facturation, d'accord? C'est ici que se passent tous les mouvements de financement. Donc, la facturation, ce que vous allez faire, c'est premièrement, vous procurer une carte virtuelle prépayée pour souscrire à une carte virtuelle dans une banque, quelque part, ça dépend de vous. Et après avoir fait ça, vous pouvez immédiatement intégrer votre carte ici afin de pouvoir faire vos publicités. Donc, c'est ici que le système de paiement se passe. On aura un cours spécialement sur le moyen de paiement. Alors, on évolue sur la présentation de l'espace. Nous avons ici l'audience. Nous avons les paramètres d'entreprise, naturellement. Ici, c'est toujours le menu, mais en mode plutôt bien défini. Alors, ici, c'est le brand Seferi. C'est tout simplement là où vous aurez l'habitude également de suivre des publicités en mode Safety. Ici, on aura l'emplacement des magasins. Ici, ce sera toujours les facturations, comme je montrais tout à l'heure. Ici, c'est le gestionnaire d'événements. Ici, c'est le MediaTek. Ici, c'est le Meta Business Suite. Ici, c'est le permis d'entreprise, comme tout à l'heure. Ici, c'est la qualité du compte. D'accord? Je ne vais pas citer tout ça. Quand vous irez, vous serez dans cet espace, vous allez visiter de vous-même. Vous allez visiter de vous-même. D'accord? OK. Alors, quand c'est fait, premièrement, ça c'est l'ensemble. Hein, je suis tout simplement en train de vous présenter l'ensemble des informations. Ici, c'est le compte de M. Robert qui est là. Voilà la page de M. Robert, d'accord? Et
c'est là où les choses se passent, c'est dans cet espace que tout se produit, dans cette page de M. Robert. OK? Oui, ça démontre effectivement que nous sommes dans la page de M. Robert. OK, donc on revient. On revient. OK, on a terminé avec cet espace. Facturation, on avait terminé. Paramètres, on avait déjà présenté. OK, donc voilà un peu à quoi ressemble votre business manager. D'accord? C'est ce à quoi ressemble le business manager. Maintenant, ce qu'il faut faire, premièrement, c'est habiller votre business manager. Quand je dis habiller votre business manager, ça signifie, premièrement, vous devez avoir un compte publicitaire qu'il faudra créer. C'est à partir de votre compte publicitaire que tout peut commencer. D'accord? Après avoir créé votre compte publicitaire, il faudra insérer les moyens de paiement. Après avoir inséré le moyen de paiement, il faudra paramétrer l'authentification à deux facteurs. D'ailleurs, dès que le compte publicitaire sera créé, vous n'allez même pas évoluer si jamais l'authentification à deux facteurs n'a pas été faite au préalable. Donc, compte publicitaire créé, authentification à deux facteurs pour des mesures de sécurité renforcées, l'intégration, je devais oublier, l'intégration de votre page, quand même, bâtiment dans l'espace de travail, d'accord? Voilà. Donc, c'est ici que tout se passe, d'accord? Donc, il était juste question de vous montrer comment on crée ce compte et voilà que c'est créé. Désormais, vous pouvez également le faire. Le prochain cours sera porté sur la manipulation de ce compte. Comment créer un compte publicitaire? Comment créer, intégrer une page ou créer une page si nous souhaitons? Comment effectuer l'authentification à deux facteurs. Le prochain cours portera dessus. Et ce sera après ce cours que nous allons maintenant produire notre première campagne publicitaire sur Business Manager. À tout de suite et restez connectés.